Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Ce matin, nous allons parler de Shiba, comme déjà l'accoutumant le monde. Voilà. Et ensuite, on va faire un commentaire sur un article qui a prédit le Shiba à 9 dollars. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà, merci aussi à ceux qui ont fait des dons. Voilà, en Shiba, en Baby Doge, en Tron, en truc, comment on appelle ça, en Binance Smart Chain. Voilà, merci à tous, même en BTC, merci à tous pour vraiment ces dons. Voilà, même un don de 1 dollar, c'est très intéressant, c'est parce que ça démontre un tas soit peu que vous assistez, vous apportez votre pierre à l'édifice que nous sommes en train de faire ici, alors qui est le fait de motiver, de former et d'informer une communauté assez gagnante, une communauté qui est très, très, très informée, une communauté qui est bien formée, parce qu'un peuple qui est bien formé, c'est un peuple qui peut aller compétir au niveau international. Donc, ce matin-là, nous allons parler de Shiba. Donc, l'article en question dit ceci. C'est une société qu'on appelle Telegaon. Voilà, une société de recherche aussi des crypto-monnaies qui utilise l'intelligence artificielle pour prévoir le prix des devises numériques. Voilà, donc c'est ainsi qu'ils ont prédit le prix du Shiba à 9,61 dollars d'ici 2050. Voilà. Et donc, le faisant, ils ont dressé un tableau. Je ne vais pas détailler tout le tableau ici. Ceux qui veulent avoir le tableau, peut-être je vais laisser le lien même de l'article là-bas. Vous pouvez aller lire l'article en entier. Voilà. Donc, ils ont fait, comment on appelle, une catégorisation de prix. Donc, ils ont donné un prix minimal, un prix moyen et un prix maximal. OK? Et donc, du coup, nous allons essayer de vous donner le récap de ce tableau-là, les parties les plus intéressantes. On va essayer d'en parler. Et puis, voilà. Donc, voilà ce qu'ils disent. Ils disent que cet événement-là, déjà, eux prévoient ça après le halving du Bitcoin. Ils disent après le halving du Bitcoin, voilà, le Shiba va atteindre un autre ATH. Alors, le halving du Bitcoin, c'est quoi? Le halving du Bitcoin, j'ai déjà parlé de ça au cours d'une vidéo ici. Voilà, c'est la période de réduction du nombre de Bitcoin en circulation. Voilà, c'est un événement qui se produit chaque 4 ans. Alors, le prochain halving se tiendra en 2024 exactement. Voilà. Donc, allons-y. Voilà un peu ce qu'ils disent. Le tableau récapitulatif donne déjà le prix du Shiba déjà à cette heure de la vidéo là. Il est à 0,4010, ce qui veut dire quoi? Hier, seulement la journée d'hier, le Shiba était en rallye. Alors, il a avalé 1-0 parce que vous savez qu'il était à 5-0 avec le bear market qui a eu lieu. Alors, le Shiba était descendu à 5-0. Je vous ai dit ici que c'était une opportunité. Voilà. Donc, vous voyez que certaines pièces ne sont pas encore remontées. Certaines pièces ne sont pas encore remontées. Yoshi n'est pas encore remonté. Doge Elon Max aussi était en train de chercher à monter. Bon, il y a certaines pièces qui ne sont pas encore revenues à leur ancien prix. Mais le Shiba, très rapidement, il sait que ce n'est pas sa place qu'elle a là-bas. Donc, il est remonté très rapidement. Et il a fait ça en une journée. Vous voyez déjà la vitesse de frappe de Shiba. Il dit en une journée, il a balé 1-0. Il s'est repositionné. Voilà. En tout cas, à l'heure de la vidéo, là, il est à son ATH habituel qui est 4.010, 4.015. En tout cas, il a 4.010. Donc, concernant maintenant ce tableau-là, voilà, ils ont dit que pour 2022, ils ont prédit le prix de Shiba pour 2022 qui est comment on appelle, 4.0. Voilà, après la virgule. Pour 2022, ils ont dit le prix maximal pour 2022. Voilà, donc prix minimal et prix moyen aussi. Donc, on va aller d'abord sur le prix minimal pour 2022. Ils ont dit 4031, prix minimal. Prix moyen, 40, ça dit 40 après la virgule. Quand il dit 40, c'est 40 après la virgule en fait. Donc, 40 après la virgule, 42, ça c'est le prix moyen pour 2022. 40 après la virgule. 51
pour comment on appelle le prix maximal pour 2022. Ok, le 2023 maintenant, 4-0 après la virgule 51 pour le prix minimal, 4-0 après la virgule 61 pour le prix moyen et 4,078 dollars pour le prix maximal. On est en 2023. J'ai sauté certaines étapes, on tombe directement en 2025. 2025, c'est 4,0 après la virgule 98 pour le prix minimal. Et le prix moyen, c'est 3,011 pour 2025. Et ensuite, pour le prix maximal, alors c'est autour de, disons, 3,019 pour le prix maximal. Toujours, on est en 2025. Donc, d'ici 2025, eux, ils voient un Shiba à 3,019, ce qui veut dire quoi? Dans 3 ans, c'est comme si dans 3 ans, selon les analyses, disent dans 3 ans, le Shiba va avaler ne serait-ce qu'un seul zéro, parce qu'il a 4 zéros actuellement. Jusqu'en 2025, leur analyse dit que Shiba va avaler un seul zéro. Alors que hier seulement, en une journée, il a avalé un zéro. Qu'est-ce que vous dites de cette analyse? Je vous laisse réfléchir avant de donner mon commentaire. Maintenant, 2030, ils disent que pour 2030, le prix minimal, c'est 3,093 minimal. Moyen, c'est 3,099. Ça, c'est le prix, comment on appelle, moyen. Et le prix maximal, c'est 2,011. Pour le prix maximal, ça, c'est en 2030. 2040, c'est 1,13 pour le prix minimal. Prix moyen, c'est 2,71 pour le prix moyen. Et ensuite, 2,0, prix moyen, c'est 2,76. Et prix maximal, c'est 4,15. Voilà ce qu'ils ont dit pour 2030. 2040, c'est 1,13 pour, comment on appelle ça, 1,13 dollars pour, comment on appelle, le début de l'année, on va dire, le prix minimal. Et à la fin de l'année, prix maximal, il parle de 4,15. Maintenant, 2050, pour terminer, il parle de 2050, 5,42 pour le prix minimal. Le prix moyen, c'est 7,89. Et le prix maximal, c'est 9,61, comme voilà, j'avais dit au début. Donc, voilà un peu le tableau. De toutes les façons, on va laisser le lien dans la description. Vous allez avoir l'occasion de regarder, voilà, pour voir tous les détails là-bas. Voilà, le plus important, c'était déjà de vous faire un récap d'abord. Maintenant, de faire mon commentaire. Voilà, d'abord, première des choses, pas même de faire le commentaire ici. Je tiens à informer que l'article est sorti il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas vu beaucoup de vidéos dessus. Mais dès lors où vous avez vu certains articles de certains pseudo-experts qui sont venus dire que le Shiba va mourir en 2030, vous avez vu plein de vidéos qui sont sorties sur ça. Commencez à alarmer la communauté. Aujourd'hui, que d'autres experts encore viennent dire le contraire pour montrer avec des preuves à l'appui, pour dire que le Shiba, d'ici 2050, va atteindre 9 dollars, alors je ne vois pas, de vidéos dessus. Tout ça, ça demande quoi? Soit ils n'ont pas l'information, je suppose peut-être s'ils n'ont pas l'information, on peut leur accorder du crédit. Mais s'ils ont eu l'information qu'ils ne font pas de vidéos dessus, et les youtubeurs qui ne font pas de vidéos dessus, ça veut dire que ce sont des détracteurs, ce sont des alarmistes. Voilà ce que vous devez comprendre à travers ça. L'article est là. C'est-à-dire, mais certainement, on fait des captures de crainte, on envoie sur certains forums, ils ont vu. Ils peuvent aller chercher l'article pour venir faire vidéo. Mais ils ne parlent pas de ça, hein. Ils parlent d'autre chose. Moi, je ne peux pas passer dessus. On va parler de ça. Et puis, je vais faire mon commentaire dessus. Donc, voilà mon commentaire. Hier, yeah, le Shiba, il avait 5-0 après la virgule. Dans la même journée d'hier jusqu'au soir, il a avalé 1-0. Ça, il a fait ça en un jour. On vous a déjà dit que le Shiba, dès son lancement, a fait 60 millions de pourcents. Il n'y a pas une crypto-monnaie dans la sphère cryptographique. Plus de 19 000 crypto-monnaies qui sont là. Il n'y a pas un qui a pu faire ça. En un an. Même le Bitcoin, le vieux père, il n'a pas pu faire ça en un an. Est-ce que vous comprenez? Continuons. Si quelqu'un a pu faire ça là, en un jour, il a avalé un zéro. Donc, selon l'article ici, dit pour 2025, où nous on fait nos prévisions, lui, Shiba va avaler 1-0 d'ici 2025. Alors, c'est pour dire quoi?
ils sont dans une bonne logique, mais ils sont assez, comment je vais dire, ils sont un peu pessimistes. Ils font des prévisions à la baisse pour que ça rentre dedans. C'est ce qu'il faut comprendre à travers ça. Sinon, si quelqu'un a avalé 1-0 en un jour, jusqu'à 3 ans, 2027, c'est dans 3 ans. Et d'ici les 3 ans, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle le halving du Bitcoin. Alors, après le halving du Bitcoin, généralement, cela a été prouvé plusieurs fois. Stock to flow, plan B, a fait ses analyses, cela a été prouvé plusieurs fois, plus de 3 fois. Ça a été vérifié que le Bitcoin multiplie sa position par 10 après le halving. Alors, nous attendons à un Bitcoin à 1 million de dollars si cette prévision est juste. Alors, si le Bitcoin monte à 1 million de dollars, de combien sera la capitalisation boursière qui est descendue, qui est autour de 900 milliards, qui était montée à 3000 milliards, mais avec la baisse qui était descendue autour de 900 milliards. Ok, donc vous devez comprendre là que le marché tout entier, l'argent qui circule sur le marché tout entier sera multiplié. L'argent du marché pratiquement sera multiplié par 100 au moins. Voilà ce que ça veut dire. La capitalisation boursière du marché sera multipliée par 100. Alors, si la capitalisation boursière du marché est multipliée par 100, étant donné que le vieux père du marché, celui qui donne l'impulsion du marché, c'est le Bitcoin, alors lui représente actuellement 44% du flux d'argent qui circule dans la crypto-monnaie. Alors, il va faire, lui faire une ascension, alors il va tirer toutes les crypto-monnaies qu'il veut, qu'il ne veut pas. Direction que lui prend, c'est là que tout le monde s'en va. Vous avez vu qu'il est descendu, tout le monde est descendu. Quand il remonte, le marché passe au vert. C'est ce qui va se passer aussi dans la même période. Mais ça serait choquant pour voir un Bitcoin autour d'un million de dollars. Nous, ça ne sera pas choquant pour nous. Parce que nous, on a vu un Bitcoin à 800 dollars. On l'a vu à 1000 dollars. On l'a vu à 3000 dollars. Il est descendu à 2000 dollars. Il est remonté de là-bas pour aller à 20 000 dollars. On était tous ébahis. Mais on n'avait aucune connaissance. On regardait tous ces montées et descentes sans rien comprendre. C'est pourquoi on dit que la formation est très importante. Quand Bitcoin était à 3000 dollars, si on savait faire les analyses qu'on fait aujourd'hui, on ne serait pas assis là en train de vous parler. Je serais assis dans un jet en train de vous parler, ou bien dans un yacht en train de vous parler, ou bien dans un décor insolent en train de vous parler. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce n'est que partie remise. On est à jour maintenant. On est très à jour même. Même information même se trouve dans Canary. On s'en cherche pour envoyer. C'est de ça qu'il s'agit. Rien ne va nous échapper encore. Donc, c'est une chance pour vous aujourd'hui qui êtes sur le marché d'avoir quelqu'un comme nous pour vous donner les informations de premier niveau et de pouvoir anticiper sur l'avenir. La plupart des gens, c'est les gens de la cueillette. C'est maintenant et tout ce qu'ils veulent manger. Nous, ce n'est pas ça. On se projette. Et c'est 3 ans. C'est pas loin. Donc, pour revenir à l'analyse, on se dit que d'ici 2025, moi personnellement, je vois un Shiba à 0,01 dollars. À 0,01 dollars, qu'est-ce qui se passe? Pour quelqu'un qui a 1 million de Shiba actuellement, il se retrouvera autour de 10 000 dollars, si je ne m'abuse. Ok? Ok, donc, pour quelqu'un aussi qui aura 10 millions de Shiba, alors lui, il aura pratiquement, si le prix que nous donnons ici est avéré juste 0,01, alors lui il aura 100 000 dollars. Ce qui veut dire en français CFA 50 millions. Pour quelqu'un qui avait 10 000 dollars, c'est autour de 6 millions, 5 millions, 6 millions. Par là. Maintenant, quelqu'un qui a 100 millions de Shiba, lui va se retrouver autour de 1 million de dollars. On parle de près de 500 millions de francs CFA, 600 millions de francs CFA. Vous voyez, déjà, c'est à ça que vous devez vous projeter. Même si on n'arrive pas là-bas, quand on tombe à côté, là, c'est bon. C'est pourquoi il dit, il faut viser les étoiles. Si tu rates les étoiles, tu tombes parmi, à côté, genre, sur la lune là-bas. Parce qu'il y a les étoiles, il y a la lune. Donc, si tu quittes les étoiles, tu as loupé là-bas, tu tombes vers la lune là-bas. Mais si toi, tu vises tout près ici, là, hein, le lampadaire qui est là, si tu as raté ça, c'est où qui t'accueille? C'est le sol qui t'accueille. Et c'est tout bon. Donc là, ce ne serait pas intéressant pour toi. Parce que si le sol qui est là-bas, si c'est le goudron même qui t'attend là, toi, tu imagines la chute. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut mettre dans la tête que
la prévision qu'ils ont faite, c'est intéressant, mais c'est une prévision vraiment qui a été faite un peu pessimiste. Voilà, nous faisons une prévision en tenant compte des activités réelles de Shiba. Et pourquoi je dis ça aussi? Parce que eux, ils ont dit quoi? Que pour 2025, même quand ils sont en train de dire, ils disent que pour 2050, qu'ils sont en train de dire, en ce moment, le Shiba aura brûlé 50% de l'offre. Mais déjà, même, il a déjà brûlé presque 50% de l'offre. Pourquoi? Parce que dès la création du Shiba, le Shiba, dès le lancement, a brûlé 50% de l'or pratiquement en donnant à Vitalik Buterin qui a pris une partie, il a donné à l'aime et puis il a brûlé le reste. Voilà, il a juste gardé une petite partie, il va donner encore une autre œuvre caritative. Les autres 50% restants ont été bloqués dans Uniswap à jamais. Voilà. Donc, pratiquement 50% sont brûlés, sans compter maintenant le shit burn qui nous donne l'actualité des brûlés de Shiba. Chaque jour, il y a une quantité qui est brûlée. Alors, d'ici 2050, on est en train de parler de combien d'années? On parle de 28 ans. Alors, en 28 ans, la quantité d'offres qui sera brûlée, ça ne peut pas être ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas du tout possible. Ça montre que certaines informations, il manque de certaines informations. Donc, moi, je vous parle en tenant compte des réelles informations, en tenant compte du Shibarium qui va sortir, en tenant compte des NFT qui sont sortis déjà, en tenant compte, de Shibverse qui est le métavers de Shiba qui est en activité parce que les terrains sont toujours d'actualité et ça va évoluer. En tenant compte des jeux, des deux jeux de métavers qui seront lancés, un pour la collection, pour faire des collections de cartes, et l'autre pour d'autres jeux dont on va découvrir encore, et qui sera implémenté dans la blockchain. Donc vous devez comprendre déjà ça, que Shiba est en train de faire tout ceci. Alors d'ici là, d'ici 2050, c'est normal que, c'est-à-dire que le prix de 9$ qu'ils sont en train de dire, c'est plus que 9$. Ça, c'est clair que ça serait au-delà de 9$. Mais 9$, mais c'est trop fort pour nous à l'air là. Nous, on n'est même pas à 2050. Nous, on est dans 2025, tout près là. J'ai dit 0,01 2025. Alors, au lieu d'aller charger les Shiba actuellement, vous n'avez pas chargé la valeur 1,0, non. Attendez encore d'ici la fin de l'année. Le Bitcoin n'a qu'à chercher à monter. Parce que le Bitcoin, c'est le vieux père. C'est lui qui donne l'impulsion du marché. Voilà, le Shiba a une communauté forte qui achète, les baleines achètent et tout ça. Mais si le Bitcoin plonge, tout le monde va plonger. C'est comme ça. D'autres ont perdu jusqu'à 99% de leur valeur. Certaines crypto-monnaies ont perdu qu'à 99%. D'autres ont perdu totalement même la capitalisation. C'est devenu 0,0 même. C'est-à-dire au niveau des prix même. Parce qu'il n'y a pratiquement rien comme achat dessus. Est-ce que vous comprenez? Or, c'est le flux qui circule sur la monnaie qui donne notre vie à la monnaie. C'est ce qui fait que la monnaie est bien listée. Voilà, certaines plateformes ont délisté certaines pièces. Est-ce que vous ne savez pas? Donc, voilà ce que moi je pouvais vous dire concernant le Shiba et ce qu'il peut faire d'ici, 2025, avant même d'arriver à 2030, 2040, déjà même à 2025, déjà, on va sentir que le Shiba a changé beaucoup de vie. Le Shiba a changé beaucoup de vie. Dernièrement, j'étais en train d'arranger mon engin. Et il y a quelqu'un qui fait moto-taxi, qui était assis, moi je ne sais pas. Moi je suis en train de causer à mon frère jumeau au téléphone, en train de faire des prévisions, faire des analyses au téléphone et tout. Et puis il a entendu crypto-monnaie, il a entendu certaines analyses que j'étais en train de faire. Et puis il m'a interrompu, il dit, excuse-moi. Il dit, ah vraiment, vieux père, excuse-moi, j'ai entendu que tu parlais de Shiba, tu parlais de Saitama, tu parlais de quelques monnaies. Donc je me dis, est-ce que vous n'êtes pas dans la crypto-monnaie? Il dit, effectivement, je suis dans la crypto-monnaie, je suis formateur dans le domaine. Il dit, ah, ça c'est une bénédiction pour nous ce matin. Parce que bon, lui, il est dans la crypto-monnaie, mais il est isolé. Non seulement un expatrié, on va dire, il n'est pas, c'est quelqu'un qui est dans une autre nationalité, mais qui est en Côte d'Ivoire. Il fait une activité de taxi-moto et tout ça. Et donc, quelqu'un peut mépriser. En temps, lui, son wallet est garni. Son wallet, là, c'est garni. Un matin, ce gars-là, tu serais étonné de le voir dans une voiture pas possible. Tu vas dire, mais petit, là, je le voyais faire moto-taxi ici. Dans quel coup il est arrivé là-bas? D'autres vont penser, mais qu'il allait faire des pratiques mystiques bizarres. Rien. Il fait son petit travail quotidien que tout le monde connaît. Mais aussi, il est dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors même, il a décidé de chercher à venir se former pour en apprendre davantage. Et puis pour se sentir dans une communauté. Parce que tous ses amis, là, quand il en parle, on le voit comme un fou.
On le voit comme quelqu'un qui ne sait pas quoi faire avec son argent. Eux, tout ce qu'ils connaissent, c'est les activités physiques. C'est tout ce qu'ils connaissent. Donc, ils se trouvent un peu isolés et donc ils veulent se rapprocher pour être dans une communauté afin d'être toujours informé de l'actualité, surtout les migrations qui se font souvent. Il n'est pas souvent informé, c'est après qu'il se rend compte qu'il y a une migration sur telle ou telle monnaie. Et donc, ça coïncidait que la migration de Saitama, il ne savait même pas. Alors, je l'ai briefé un peu là-dessus. Donc, tout ça, là, c'est pour vous dire quoi? Que faut pas négliger ton coiffeur. Faut pas négliger ton boucher. Faut pas négliger même peut-être ta servante à la maison. Tu sais pas ce qui s'est passé. Tu sais pas à qui elle est liée. Et qu'est-ce qui se passe dans son téléphone? Vous voyez, c'est vrai. On sait que la génération d'aujourd'hui, c'est TikTok qu'ils aiment. Eux, là, leur Facebook, là, ils ont fini avec Facebook. Ils connaissent tous les rois de Facebook. Ils sont dans TikTok maintenant. Avec les mains rapides, là. Hein? Les pouces rapides, elles sont dessus. Toute la journée. Maintenant, même, il y a certaines vidéos, même des crypto-monnaies qui sont. Mais comme ils ne sont pas curieux, et ils n'aiment pas faire des recherches, eux, c'est les trucs rapides, ils aiment. Alors, on ne sait jamais. Quelqu'un peut être aussi informé, curieux, et puis faire des recherches, et puis avoir un wallet garni quelque part là. Toi, tu es en train de le négliger. Un matin, tu serais étonné de ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que le monde de la crypto va à une vitesse éclair. On dit que la technologie évolue de 113% chaque année. La blockchain aussi fait partie des nouvelles technologies, c'est le Web 3.0. Alors, il est en train d'évoluer à une vitesse qui n'a jamais été faite au niveau, comme on appelle, de certaines révolutions. Est-ce que vous comprenez? La révolution industrielle, c'est-à-dire par rapport à la révolution, comme on appelle, la blockchain très rapide. On dit même 10% de tout ce que la blockchain peut faire n'a pas été encore fait. Alors, c'est comme s'il est à l'étape de balbutiement, mais actuellement. Donc, si toi tu es informé, tu es un avant-gardiste de tout ce qui est en train de venir. Donc, si tu sais ça, que tu as tes 5 000, tes 10 000, tes 20 000, que tu investis, tu fais ta formation doucement, tu arrives à atteindre tes objectifs un matin. Souvent, on se projette même si 10 ans, et puis on trouve que 10 ans, c'est trop. En tant que tu as un enfant qui a 4 ans dans ta main, il est là en train de faire ses trucs doucement, paf, il a 14 ans devant toi. À quel moment ça arrive? Mais imagine-toi que tu avais investi un 10 000, un 20 000 francs pour cet enfant-là. D'ici cette période-là, 10 ans n'est pas déjà passé. Mais c'est un enfant qui n'est pas de la même chose que les autres enfants. Parce que son portefeuille est tellement garni par son papa qu'il peut l'envoyer en Europe, il peut lui faire tout. Même si l'enfant veut aller faire des études de haut niveau en Europe pour être parmi les leaders de son pays, il peut aller le faire. Voilà des choses que les parents doivent anticiper. Les blancs viennent toujours, vous voyez les blancs qui viennent se promener en Afrique, ils vont au Sahel, ils vont regarder comment on appelle la grande pyramide de Gizeh, ils vont regarder, ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont regarder les 18 montagnes au Sénégal, ils vont regarder l'île de Gorée, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils anticipent. Pendant qu'ils travaillent, ils font travailler son argent. Mais aujourd'hui, l'argent qu'on faisait travailler dans les actions, la crypto-monnaie est 10 fois, 100 fois plus rapide que ça. Maintenant, ce sont les banques qui sont en train de migrer vers la crypto-monnaie. Maintenant, ce sont les pays qui sont en train de migrer vers la crypto-monnaie. Selon vous, d'ici 2030, c'est Salvador et puis la RCA, c'est-à-dire la République centrafricaine, c'est les deux pays là seulement qui seront dans la crypto-monnaie. C'est pourquoi il dit, arrivez à vous projeter. D'ici les 2030 là-bas, là-haut. Vous ne pensez pas que les 44 pays qui sont allés faire, leur formation auprès du président de Salvador, vous pensez que dans les 44, au moins une dizaine ne va pas se positionner au niveau des crypto-monnaies? Alors, eux, la population qui vont faire adopter la crypto-monnaie, ça va envoyer le Bitcoin à quel niveau? Imaginez-vous que c'est des millions de personnes, que ce soit au Sénégal, que ce soit je sais pas, au Nigeria, ou bien un pays, même peut-être la Russie, peut basculer dans le domaine de la crypto-monnaie. Alors, c'est un nouveau paradigme qui est en train de venir. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que quand vous faites souvent vos prévisions, vous vous contentez ici et maintenant. Non. On fait les prévisions en tenant compte de certains paramètres qu'on n'a pas. Mais quand on envisage que ces paramètres peuvent rentrer à tout moment dans l'équation, alors on se projette en tenant, on fait une simulation en tenant compte de ces paramètres. Alors, si tu tiens compte de ces paramètres, alors toi-même, tu vas te rendre compte que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on est au tout début, alors tu ne dois pas venir à la petite cuillère pour venir prendre tes Shiba. Tu ne dois pas venir à la petite cuillère. Tu dois prendre au maximum. Viens de faire une simulation devant toi. Donc, si toi, ton objectif, c'est 5 millions, il n'y a pas de problème, tu peux te contenter à 1 million de pièces. Mais si tu sais que tu peux avoir 50 millions et au-delà, alors tu sais quelle quantité tu dois chercher à avoir maintenant. C'est ça la formation qu'on te donne ici. On te permet de pouvoir anticiper et de pouvoir te projeter. Nous, on n'est pas là pour te dire, on va te donner quelque chose, tu vas venir chaque... Par exemple, on disait tout à l'heure que
Eh bien, investisse à la fin du mois, tu gagnes ça. Mon téléphone ne va pas arrêter de sonner toute la journée. Montelli vient te former. Toi-même, tu vas acheter ta crypto-monnaie et tu patientes pendant au moins minimum 5 ans. Tu trouves que c'est trop. En temps, il y a des gens, des fonctionnaires que je connais qui déposent chaque mois peut-être 10 000 ou 20 000 francs dans un produit d'assurance. Mais c'est 20 000 francs que tu déposes là-bas. Il n'y a rien qui s'ajoute dessus, je vous précise encore. Il n'y a rien qui va s'ajouter dessus. Parce que la banque va juste garder ça pour lui. Et après 30 ans, 40 ans de service, par exemple, ils vont venir maintenant récupérer ça pour lui donner. Sans intérêt. Au contraire, même la banque va chercher à prendre un peu dedans parce qu'ils ont gardé pour lui. Mais tout ça, il est content de ça. Mais pendant ce temps-là, si toi-même tu prends ton argent et que chaque mois tu fais un DCA sur une crypto-monnaie, que tu investis chaque mois ça là sur une crypto-monnaie pendant les 40 ans, tu imagines que tu n'es. Avant même que les 40 ans n'arrivent là, tu sais à quel niveau tu seras. Voilà des choses que les gens n'arrivent pas à se projeter. Alors on n'a pas besoin d'avoir des millions pour avoir de l'argent. Ce n'est pas la force physique aujourd'hui qui donne l'argent. Je précise, les choses ont changé. Parce que si la force physique donnait l'argent, les Bella ici, ils allaient être plus riches. Ils ont plus de force que vous. Ou les gros bras là, ils allaient avoir plus d'argent que vous. Ce n'est pas ça qui donne l'argent. C'est l'intelligence, l'intellect là. Comment tu fais travailler ça? C'est ça qui donne l'argent. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ça que je suis en train de dire aux gens, d'apprendre. Il faut continuer à apprendre. Même moi-même, je continue d'apprendre. Parce que le monde de la crypto-monnaie continue d'avancer. On parle de métavers aujourd'hui. Le métavers n'a même pas encore donné. Quand tu vas regarder certains films comme Black Mirror, et que tu vois ce qui est en train de venir dans le métavers, nom de Dieu, tu ne peux pas imaginer ce qui est en train de venir dans le métavers. Alors, si toi, on te donne ces idées ici, il a dit Black Mirror, pour quelqu'un qui est intelligent, il s'en va, c'est quoi, c'est quel film on appelle Black Mirror? Il va aller regarder là-bas. Il va avoir d'autres informations que peut-être moi-même je n'ai pas donné ici. Alors il commence à anticiper. C'est ce qu'on fait. C'est ce que les blancs font. C'est ce qui fait que les gens réfléchissent, ils se positionnent toujours. Mais on nous dit que dans un certain nombre d'années, l'eau potable que nous utilisons ici, là, ça va finir. J'ai regardé un documentaire sur ça. Sur National Geographic, ils ont fait, sur Discovery Science, on dit l'eau potable, ça va finir dans quelques années. L'eau que tu utilises tous les jours. Parce que la terre est recouverte d'eau potable à une certaine quantité, mais l'eau de mer, là, c'est l'eau de mer qui couvre plus la terre. Alors, à un certain niveau, ils ont déjà fait les calculs pour anticiper, pour dire que l'eau potable va finir à un certain niveau. Est-ce que vous savez qu'ils ont commencé à faire réserve d'eau aux États-Unis? Dans les souterrains là-bas, ils ont commencé à faire réserve d'eau. Là-bas. Pendant que toi, tu utilises, tu gaspilles, tu fais n'importe quoi ici. Tu n'anticipes même pas. Alors, si cette période arrive, même si nous, on n'est pas là, là, leurs petits-fils, arrière-petits-fils vont venir encore gouverner encore. Pourquoi? Parce que les parents ont anticipé sur ce qui est arrivé. Nous, on est en train de chercher comment on manger même d'abord. Pour dire qu'on a réfléchi pour décider à la génération de 5 ans ou 10 ans après nous là-bas. Vous comprenez déjà à quel niveau l'anticipation permet de garantir ce qu'on a aujourd'hui, mais d'être toujours un précurseur, encore sur ce qui est en train de venir. Voilà ce que l'Afrique doit commencer à faire maintenant. Et ça ne va pas commencer ailleurs. C'est dans vos différents foyers, c'est chez vous à la maison. Et ça ne commence pas par quelqu'un d'autre, ça commence par toi qui a entendu cette vidéo aujourd'hui. Prends une décision, change ta vie dès maintenant. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur la crypto-monnaie. Ici, c'est une chaîne d'information, de formation et de motivation. Alors, vous avez eu la dose de motivation ce matin sur le Shiba. Voilà, restez toujours connectés sur notre chaîne ici pour avoir toujours la dose de motivation nécessaire pour prendre les meilleures décisions. Voilà, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est toujours, tous les jours qu'on fait ces formations, le numéro est dans la description de cette vidéo. Donc, rentrez en contact avec moi pour prendre vos différentes formations, profiter de tout l'écosystème de la crypto-monnaie. La formation physique à Abidjan pour la 4e édition cette fois-ci, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. Voilà. Et cette formation, elle est prévue généralement, bon, on pense que ça doit être pour le mois d'août. La date n'a pas encore été bien déterminée, mais on parle du 12, 13, 14 par là. Mais on va vous briefer là-dessus quand ça serait bien calé. Voilà, la formation aussi au niveau du Mans. C'est pour le mois d'août aussi. La date aussi, on va voir coïncider entre Mans et puis Abidjan pour voir la date et puis pouvoir, faire les dispatching entre les différentes dates. Et puis vous serez briefé sur tous les deux dates. Mais déjà pour Mans, vous devez rentrer en contact avec le leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de San Pedro, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Baby Joseph, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors, cette formation-là,
il demande à ce que vous veniez avec une partie de l'argent pour les inscriptions, pour garantir votre inscription, pour faire une réservation, pour que ça soit sûr, parce que la date qui sera donnée, alors elle ne va plus être reportée, parce qu'il y a eu deux reports déjà, alors il ne va plus accepter qu'on puisse faire un autre report, alors vous devez rapidement confirmer votre inscription. La formation au niveau de Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. La formation au Sénégal, c'est le grand leader Mama avec lequel vous devez interagir. La formation au niveau de la RDC, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez vous inscrire afin que voilà, nous soyons au Congo pour donner les inscriptions, pour donner un peu, échanger un peu avec nos amis et frères de là-bas. La formation au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir. La formation au niveau de Daokro, c'est avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour les différentes inscriptions, je précise. Et la formation au niveau maintenant d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Boaké, c'est avec moi-même. Alors, écrivez-moi pour ceux qui veulent faire la formation à Boaké, parce que désormais, la Boaké fait partie de la liste. Les gens m'ont interpellé aussi à Boaké pour dire qu'on va faire des formations ailleurs, mais on ne pense pas à Boaké, que ce n'est pas normal. Comme j'ai dit, on n'est pas prophète chez soi, mais désormais, nous avons mis Boaké sur la liste. Alors, cette liste, elle est dressée. Pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, la formation physique à Boaké, alors contactez-moi directement afin que nous organisons ça pour la ville de Boaké. Voilà ce que nous pouvons vous dire ce matin sur tout ce qui est l'actualité des crypto-monnaies, l'actualité de Shiba. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.